Salut tout le monde, on se retrouve bien sûr une nouvelle fois pour casser la série d'Undertaker pour l'épisode 2. Donc, dans le dernier épisode, on avait utilisé donc Alberto Del Rio et on avait perdu avec un tombstone qui m'a bien fait mal. Et pour cet épisode, nous allons utiliser Antonio Cesaro en mode aléatoire contre Undertaker en mode aléatoire. Voilà, on va faire que du aléatoire. Et c'est reparti! Donc vous connaissez déjà le principe, hein, c'est réussir à battre Undertaker au moins une fois, ça c'est le petit, c'est le mini objectif, c'est réussir à battre Undertaker. Après on pourra s'imposer des objectifs un peu plus grands. Personne n'a entendu ce bruit, j'ai soif, hein, c'est tout. Je vais me chercher une canette avant l'épisode, hein. C'est tout. Antonio. C'est bon. Ah ouais, j'ai oublié de monter le sommaire. C'est tout compliqué. Undertaker est fort, il a réussi à se faire pousser les cheveux en un épisode. Cesaro's intelligence, physical ability, and
love of breaking the rules makes him tough to beat in that ring. Tiens, dans tes cœurs, je vais te battre dans tes cœurs. À force de l'affronter, hein, on connaît ses petits défauts, hein. Moi, c'est toujours niqué, hein. Il faut le dire, faut l'avouer. Donc, je vais essayer de continuer le sujet. Vous voyez, la dernière fois dans mon ancien épisode, c'était la politique YouTube. Donc, pour moi, comme je suis pas partenaire, ça me dérange pas trop puisque je gagnais pas d'argent de base, donc ça me dérangeait encore pas trop. Quand je suis partenaire, s'ils ont pas changé, ça va peut-être me déranger. Mais pour l'instant, je continuerai à faire des vidéos, mais ça sera un peu con qu'ils mettent les droits d'auteur sur toutes mes vidéos. Encore là, pour l'instant, le robot m'a pas encore cherché. Ça va, j'ai non monétisé. De vidéos bloquées, donc ça va être... Je regardais pendant la période d'hiver pour voir si on va bloquer quelques vidéos. Dans ce cas-là, je voudrais les supprimer. Hein. Mais revenons à notre match avec Antonio Cesaro qui doit battre dans tes cœurs. C'est une question de vie ou de mort. Ça serait bien aussi qu'on arrive à faire abandonner dans tes cœurs. Ça serait cool. Bon, on a pas réussi avec Del Rio, hein, j'aurais bien aimé. Oh, Undertaker va tourner. 1, 2 et 3. Bon, ça fait plus que 3, mais bon, c'est pas grave. Et le springboard, uppercut. Ça m'aurait pas étonné, hein. Interacting with the WWE Universe during fan access. European uppercut. He's putting those educated feet to good use. Oh. The sound of human flesh on the ground and cover. He hasn't done nearly enough to get the pin yet. Tiens, bouffon pied. Down goes Undertaker. These are great competitors. Great. Boom! Non! Oh merde, je vais me prendre un choc sel, ça commence. Oh! Ça y est, les petits pouvoirs de Undertaker commencent. Là, je peux m'échapper avec lui, ça va ouf. Tiens, je te frotte la tête au sol. Et je t'achève avec un coup de coude. Ah. Oh là là. Non. Ouais, il faut vite contrer là, Ouf. Oui. Ouh, le Snake Eyes. Je tentais avec un uppercut pour enchaîner. Ça, je gère plutôt bien. Oh non, j'aime pas ça dans tes cœurs, j'aime pas quand tu me fais ça. J'aime pas quand tu me sors tout d'un coup le Hell's Gate. Non, je suis obligé de faire ça parce que... Allez. Allez, va pour le neutraliseur. Figlio di puttana.
Et voilà, je me fais niquer encore par le Tombstone. Putain. Oh, je sais pas comment j'ai fait ça. Même pas deux, seulement un. Vous me demandez pas comment j'ai réussi à faire ça, mais je l'ai réussi. Ah, saloperie de merguez. Voilà, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Bon, moi, je vais te piétiner, hein, parce que maintenant, j'ai peur de me taper un S-Gate. Je vais te piétiner, hein. Comment j'ai réussi à faire ça? Oh, je me suis dégagé d'un Tombstone après seulement un compte. Je sais que tu veux me sortir ta putain de merde, là. Ça devient chaud là, ça devient chaud. Non, 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 tu vas pas gagner comme ça. Et pousse ta jambe de suplex. Allez, dégage. Cette fois, le neutralizer, tu peux le prendre, hein, ok? Ah, tu le prends. Boum, voilà, je capte le truc. Oh, salope. Oh, la saloperie. Eh oui, hein. Mais ah, vas-y, va enchaîner-moi avec un last ride, saloperie. La saloperie. Ah. Eh voilà. Putain. Ah mais pour dire, on peut le dire, on peut l'avouer, hein. Notre série commence très très mal avec une défaite, plutôt deux défaites. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, hein. Nous allons arrêter le massacre. Vraiment, je peux voir. On va arrêter le massacre. J'espère que cet épisode vous aura plu, même si on a perdu. Et j'espère qu'on se retrouvera la prochaine fois. Voilà, donc tout est superstar, hein. J'ai réussi à le battre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouvera vite fait pour la prochaine fois. Enfin, plutôt, on se retrouvera la prochaine fois pour notre épisode 3, donc de Defeat the Streak. Tous ces gens, bye bye, à plus tout le monde.